Bonsoir. Il s'appelle Jean-Paul. Il a 34 ans. Il est marié depuis 4 ans avec Maryse. Il travaille dans l'imprimerie du beau-père. Si Jean-Paul a souhaité venir sur le plateau ce soir, c'est pour se raconter, pour se libérer, pour aller mieux peut-être, parce qu'il est plus facile parfois de se raconter ici, face à votre regard, que chez lui, face à son épouse ou au regard du beau-père. Et bientôt, tout le monde sera au courant, car ça va savoir. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 34 ans. Vous êtes marié avec Maryse depuis 4 ans. C'est ça. Vous avez un enfant. Oui, tout à fait. Jean-Jacques. Oui. Et vous vivez à Alençon. Vous travaillez dans l'imprimerie familiale. Le patron, c'est le beau-père. Exactement. Ouais. Vous êtes un employé ou vous faites partie de la famille? Autrement dit, est-ce que vous vous tutoyez ou est-ce que vous vous voyez avec votre beau-père? Bon, on se tutoie. C'est un peu les deux. Hein. Je suis devenu partie intégrante de la famille, voilà, et ça s'est fait ensemble. Mmh. Mais est-ce que c'est parce que vous êtes marié avec Maryse que vous êtes rentré dans cette imprimerie ou parce que vous y étiez déjà avant et que vous aviez rencontré Marie là-bas? Non, c'est bien sûr parce que j'ai rencontré Maryse que je suis rentré dans l'entreprise familiale, puisque en fait, voilà. Mmh. Si vous êtes venu, Jean-Paul, sur ce plateau ce soir, c'est parce que vous avez quelque chose à dire, à avouer, à nous et à votre épouse. C'est quoi? Alors, c'est très simple. C'est un peu difficile à dire, mais au bout du compte, c'est très simple. Ma vie de couple aujourd'hui, c'est zéro. Voilà. Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça va plus du tout et que ça fait trop longtemps que ça me pèse et que aujourd'hui j'ai envie de changer et voilà. Qu'est-ce que vous allez dire à Maryse? Tout simplement, je vais lui annoncer que je la quitte, que je la trompe. Avec qui? Avec qui la trompez-vous? Ouais. Avec qui la trompez-vous? Avec sa sœur. Avec sa sœur. Et vous allez, ce soir, annoncer à Maryse, votre femme depuis 4 ans, que vous allez la quitter avec sa propre sœur, avec la propre sœur de Maryse. Dites-moi, ce n'est pas par hasard que vous avez rencontré la sœur de Maryse. Comment l'avez-vous rencontrée? Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle fait partie de la famille, donc forcément on se croise. C'est hein, moins qu'on puisse dire. Doublement. Et ça s'est passé au mois d'octobre dernier, au repas d'anniversaire du mariage de leurs parents. C'est-à-dire? Ça se passe comment? C'est là que les choses se sont vraiment amorcées et que, avec Marie, ça ne marchait pas depuis assez longtemps, pour X raisons. Et j'avais envie de prendre un peu d'air et... L'air, je l'ai trouvé Jean-Paul, auprès de Céline. C'est Céline qui est venue vous chercher ou c'est vous qui avez été chercher Céline? On va dire que ça s'est fait un petit peu... Non, ça ne se fait jamais comme ça. En tout Jean-Paul, cas... qui a été chercher l'autre? Céline est venue vous chercher ou c'est est-ce moi. Que c'est vous? Qu'est-ce qu'elle a, Céline, de plus? Avec elle, je me trouve bien. Elle m'apporte toute l'affection dont j'ai besoin, alors que Maryse est glaciale. Et qu'elle ne s'occupe que de son travail, qu'il n'y a que ça qui compte. Maryse travaille voilà. Également oui, dans l'imprimerie familiale. Oui, bien Céline sûr. Aussi? Non. Ce que vous préférez, c'est que Céline s'occupe plus de vous que Maryse? Est-ce que Maryse peut vraiment en faire plus? Est-ce que ce ne sont pas des faux prétextes? Des faux semblants? Il faudra lui demander, mais je crois... Non, je crois pas. Jean-Paul, vous avez pris votre décision face à nous, face à Maryse. C'est bien sûr, parce que dans quelques instants, ça va se savoir, Maryse est là, derrière, elle n'a rien entendu, on la fait venir, on l'accueille, Maryse. Maryse, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 29 ans, oui.
Vous êtes blonde, vous êtes jolie. Vous êtes mariée avec Jean-Paul depuis quelques années. Il a souhaité que vous soyez là parce qu'il a quelque chose à vous dire. Une sorte de secret. Jean-Paul. Eh ben, tout simplement que c'est plus possible entre nous et qu'il y a un moment où il faut éclaircir les choses et voilà, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire C'est-à-dire, c'est difficile. C'est-à-dire, je te trompe. Tu me trompes? Oui, voilà, il faut que tu... Il y a un moment où il faut que ça sache. Dites toute la vérité, vous nous l'avez dit, nous le savons. Jean-Paul, vous faites quoi? Je te trompe avec Céline. Avec ma sœur? Avec ta sœur. C'est une blague, non? Non. C'est pas le 1er avril. C'est une blague, je crois. Maryse, il vous trompe avec votre sœur. Alors, depuis combien de temps? Oui, depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Depuis le mois d'octobre dernier, en gros. Et vous êtes venu le dire ici, parce que vous n'arrivez pas à le dire à la maison, parce que... Tout simplement, oui. Oui. Parce qu'on ne dialogue plus, parce qu'on n'arrive pas à parler. Et oui, bah oui, ça y est. Évidemment, évidemment. Évidemment que je suis pas dans la bonne position, ça c'est clair. Mais il me semble quand même que normalement, dans un couple qui s'entend bien, qui fonctionne ensemble... Vous voulez dire qu'il ne se passe plus rien entre vous? Vous voulez dire que Maryse aurait dû deviner que... C'est une preuve de non-communication, voilà. On se parle plus. J'apprends rien ce soir. Je ne révèle rien. Ah bah moi aussi, tu me révèles quelque chose puisque je ne le savais pas. Donc tu me révèles quelque chose. Ça ne me dit pas que tu révèles rien. Évidemment, tu t'occupes que de ton travail. Il n'y a que ça qui compte. Bah c'est normal que je travaille. Il faut bien que je travaille pour deux. Moi aussi, je travaille. Maryse, vous avez 29 ans, vous travaillez, vous aussi, dans l'imprimerie familiale. Oui. Est-ce que la présence de votre père dans cette histoire est importante? Bah si... S'il n'y avait pas eu papa... Je partirais, de s'il n'y avait pas eu papa, il aurait jamais été dans l'entreprise. Il serait jamais rentré dans l'entreprise. Il serait jamais... C'est vrai, Jean-Paul, ça? Bah c'est une entreprise familiale, donc voilà, oui, évidemment. Fait... Ah bah oui. Ça fonctionne comme ça. Il avait... Eh ben non, ben ça l'est devenu. C'est devenu une affaire de famille, une affaire un peu délicate. J'en conviens. Maryse, est-ce que Céline dans sa vie a déjà agi de cette façon? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a connu d'autres de vos petits copains? C'est pas la première fois. Depuis le lycée, elle me pique tous mes petits copains. Donc, Si votre sœur était là aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? Que c'est une salope. Que c'est une salope? Maryse, vous allez avoir l'occasion de le lui dire. On fait entrer Céline. Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir. Céline, vous avez 24 ans. Oui. Vous êtes la sœur de Maryse. Mm-hmm. Et nous venons d'apprendre que Jean-Paul trompe sa femme avec sa sœur. Qui va à la chasse perd sa place, hein? Oui. Mais c'est pas moi la salope, ma pauvre chérie. C'est moi la salope. Mais non, mais écoute, quand on a un mari, on s'en occupe. Écoute, excuse-moi, c'est pas en bossant 60 heures par semaine. Et en baisant pas, tu vas le garder. Mais vous êtes deux à ramener l'argent, ma pauvre chérie. Non, c'est moi qui travaille. Il n'y a que moi qui travaille. Ah, bah évidemment. Alors, ça, voilà. Il n'y a que toi qui travaille, il n'y a que toi qui es vertueuse. C'est moi qui ramène l'argent au foyer. Oui, 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 bien sûr. Mais arrête de passer pour la victime. J'en ai rien fait. Tu peux faire croire à qui tu es une victime, ma pauvre chérie. T'es là, tu t'occupes même pas de ton mari quand une femme aimait un homme. Tu t'en occupes, toi? Oui, bien sûr. Toi, peut-être, ça veut dire quoi? Tu trouves ça normal de le traiter toujours comme de la merde? Tu ne traites pas comme de la merde. Quand on aime quelqu'un, on est là pour le transcender, on est là pour l'aimer, pour être attentionné. Mais bien sûr. Jean-Paul. Jean-Paul, on n'arrive pas à comprendre quelque chose. Jean-Paul, on n'arrive pas à comprendre quelque chose. Écoutez-moi. Cette situation nous paraît étonnante. Qu'est-ce qui s'est passé avec Maryse? Ça n'allait vraiment plus
Ce n'est pas pareil qu'avec Céline. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris c'est cette... C'est radicalement opposé, oui. C'est-à-dire ça n'allait plus d'une part, et quand ça ne va plus, au bout d'un moment, ça devient intenable. Ça veut dire quoi, ça va plus? Ça veut dire tout simplement entre vous, que... Entre ça ne se passait plus bien. Au lit, ça se passe... Il se passe plus rien. Oui, c'est... Vous connaissez beaucoup d'hommes qui avaient des femmes frigides, franchement. Il faut qu'une entente. S'il n'y a pas d'entente entre un homme et une femme, il n'y a plus rien. Mais regarde-toi, on dirait un iceberg. Un iceberg, mais ça veut dire quoi? C'est parce que tu mettais ça à l'air que dehors et extérieur, que ça veut dire que t'es pas frigide. Très bien, mais alors, ça, excuse-moi. C'est ridicule. Tu vois? Regarde, même monsieur, ça lui plaît bien. Jean-Paul, vous êtes venu ici pour vous raconter, pour avouer quelque chose à Maryse, votre femme. Céline est là. Que sont faits? Qu'est-ce qu'on décide maintenant? Qu'est-ce que vous décidez? Eh ben oui, exactement. Mais je suis tout à fait d'accord. Évident. C'est clair, c'est que évident. Je ne vais pas rester avec lui. Bah oui, c'est clair. De toute façon, t'es un mou, t'as toujours mais été un mou. C'est moi qui te laisse, c'est moi qui te quitte. J'en ai plus rien à faire. Je peux plus, je peux plus vivre avec toi. Quelle est votre réponse? C'est toi qui me donne un spectacle. Moi, je ne donne pas un spectacle, excuse-moi. C'est pas la main, c'est pas moi qui me donne un spectacle. Mais bien sûr. C'est pas moi qui ai choisi d'être ici. J'attends une prolongue. Quelle est... Ah mais depuis le lycée, de toute façon, elle me pique tous mes mecs. Non, c'est moi qui suis allée la chercher. Ça n'a rien à voir, c'est moi qui suis allée. Elle a toujours choisi comme ça. C'est pas elle qui choisit. Je peux pas t'empêcher quand j'ai un mec de me piquer. Mais arrête, pauvre chérie, c'est la vérité. J'en ai rien à foutre, moi, de vos histoires d'avant. Jean-Paul. Mais c'est pas les histoires d'avant, c'est la vérité. Céline, c'est vrai? C'est vrai? Est-ce que... Il est vrai que depuis toujours, entre guillemets, vous lui piquez ses mecs? Le contraire n'est jamais vrai? Non, si, ça arrive une fois, elle m'a piqué un mec, et alors j'en ai pas fait toute une histoire, hein, c'est elle, la petite méchère. Facile. Pour un mec, et Jean-Jacques, alors? Et Jean-Jacques, alors? Tu m'as piqué combien, toi? Tu m'as pas piqué? On n'est pas à la maison, hein. On a un petit elle peu de tenue. Elle est malade, t'es complètement malade. Et c'est encore pire que ça, à la maison. Et Jean-Paul, dans tout ça, je vous ai demandé quelle était votre décision. Alors, vous partez. Vous partez avec Céline. Je pars, je veux divorcer. C'est décidé. Oui, c'est décidé. C'est sûr. Vous n'avez pas de regrets. Mais non. Mais qu'est-ce que ça peut bien foutre, tu t'en occupes pas, alors. De toute façon, tu vas le larguer. Céline, tu piques et après, Maryse, tu vas le larguer. Jean-Paul, c'est son dernier mot. Il part parce que dans quelques instants maintenant, ça va se savoir. On reste en famille. Dans un instant, Isabelle, à chacun sa bête noire, elle, ce ne sera pas sa sœur. Ce sera sa belle-mère. Elle s'appelle Isabelle. Elle a 32 ans. Elle est hôtesse d'accueil dans un magasin de meubles. Elle est mariée depuis 4 ans avec Serge. Serge, oui. Mais pas seulement avec Serge. Si Isabelle nous rejoint ce soir sur ce plateau, c'est qu'elle est au bout de ce qu'elle estime être supportable. Elle veut crier une dernière fois « stop » à l'oreille de son mari, à son mari et aux autres, parce que dans un instant, ça va savoir. Isabelle, bonsoir. Merci d'être avec nous. Isabelle, vous avez 32 ans. C'est ça. Vous êtes hôtesse dans un magasin de meubles. Vous êtes mariée depuis 4 ans avec Serge. Vous avez un fils unique. Oui. Qui s'appelle Alex. Alex. Vous êtes venue sur ce plateau parce que vous avez quelque chose à nous dire et à dire à Serge. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Ben, au sujet de sa mère. Sa mère a une place beaucoup trop importante dans notre vie. Elle est omniprésente. Et ça devient plus possible, quoi. C'est plus supportable, c'est plus vivable. Donc, oui, mais enfin, il y a belle-mère et belle-mère, et là, elle fait partie intégrante de notre famille, quoi. Vous voulez dire que
Vous voulez dire qu'elle est proche de votre lit aussi ou... Ah oui, non, mais elle est tout le temps là, quoi. Elle est tout le temps dans l'appartement ou sans arrêt au téléphone avec son fils. Elle s'occupe du mien comme si c'était le sien. Elle l'attend à la sortie de l'école. Elle l'appelle au téléphone sans arrêt. Elle l'appelle sans arrêt. Le portable, c'est portable maman, c'est ah ça? Ah oui, tout à fait. C'est, et le week-end, c'est vous êtes un petit peu tranquille? Non, le week-end, c'est la même chose. Le samedi, le dimanche, elle est là. Quand on part en vacances... Elle s'arrange pour être là aussi. C'est, elle est toujours là. Isabelle. Bien sûr que je lui ai dit. Avec votre enfant, c'est une grand-mère ou c'est une maman? Non, mais c'est plus une maman. Moi, j'entends bien que c'est normal quand on est grand-mère de s'occuper d'être avec son petit-fils. Mais là, trop, c'est trop. Là, c'est comme s'il avait une deuxième maman. Mais pour tout, c'est comme ça. C'est peut-être aussi parce que... Sa maman est d'origine argentine, elle est peut-être c'est un petit peu exubérante. C'est vrai qu'elle est très famille, oui, mais même, vous pensez bien que j'ai pris tout ça en ligne de compte et que là, vraiment, je ne sais plus quoi faire. Elle a les clés de l'appartement, elle me refait la déco, elle me change, elle a les clés de l'appartement. Elle fait le ménage. Ah ouais, non, mais c'est... Vous voulez dire qu'elle peut rentrer, elle peut rentrer quand elle veut? Ah oui, oui. Bon. Vous, Isabelle, vos parents sont beaucoup plus éloignés de vous? Ah oui. Ils sont à leur place? Oui. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas simplement parce que votre belle-mère est un petit peu envahissante que vous êtes ici. C'est parce que vous souhaitez prendre une décision. Quelle décision? Ben, c'est que ça va être, c'est soit sa mère ou soit... Ah, carrément. Isabelle, vous avez souhaité que Serge vienne. Vous allez le lui dire en face. Vous avez bien réfléchi? Ah oui, mais je lui ai déjà expliqué, mais il ne comprend pas. Donc là, je pense qu'il va prendre conscience. Donc, et qu'il va réagir. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Un dernier essai. Tout à fait. Nous allons faire venir Serge, parce qu'après, il sera trop tard. On fait venir Serge. Serge. Bonsoir Serge. Bonsoir. Vous avez 33 ans. C'est ça. Vous êtes fils unique. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que le fait d'être fils unique, ça joue un rôle important dans votre attitude? Est-ce que vous avez le sentiment que lorsqu'on est fils unique, on se laisse un petit peu plus diriger par sa maman? Non. Ou est-ce que c'est un mauvais sentiment que j'ai? Non. Vous pensez que ça n'a rien à voir? Comment? Vous pensez que ça n'a rien à voir? Non, pas vraiment. Je ne sais pas où vous voulez en venir, mais... Isabelle a souhaité que vous veniez sur ce plateau parce qu'elle a quelque chose à vous dire. Elle nous a dit qu'elle vous l'a déjà dit souvent, mais que ce soir, c'est peut-être la dernière fois. Isabelle. Allez, Isabelle. Ben voilà Serge, tu dois, de toute façon pour toi c'est pas nouveau, tu te doutes le pourquoi du comment, c'est ta mère, j'en ai parlé à plusieurs reprises, il se passe rien, au contraire c'est de pire en pire, et je voudrais que tu lui parles sérieusement et que tu lui fasses comprendre qu'il faut absolument qu'elle fasse des efforts et qu'elle cesse de s'initier... beaucoup trop comme ça dans notre couple, c'est trop. Non, tu crois que t'exagères pas un peu, là. Je suis au bout du rouleau, j'en peux plus. Non, j'exagère pas, non. J'exagère pas, et tu le sais bien que j'exagère pas. Ah ouais, on en a déjà parlé hier soir. Oh oui, non, mais on en parle tous les jours, c'est le sujet de conversation qui revient à tout bout de champ, c'est sans arrêt, quoi. C'est non-stop. Serge. Oui. Est-ce que les reproches qu'on vous fait, selon vous, sont-ils justifiés, ou est-ce que vous avez le sentiment que vous tombez de la lune, là? Non, ben oui, je tombe un peu de la lune, là, parce que c'est très exagéré, quoi. Non, c'est très exagéré. Donc vous avez le sentiment que... On ne peut pas reprocher à ma mère de m'aimer, je suis désolé, oui. Non, bon, mais t'aimer, c'est pas le problème, j'ai jamais reproché à ta mère de t'aimer ni d'aimer notre enfant, le problème n'est pas là. C'est que ta mère, elle fait trop partie intégrale dans le cadre de notre couple, elle est trop là, ta mère. Serge, elle est trop là, c'est pas une question d'amour. Serge. Ouais, enfin, ça t'arrange bien aussi qu'elle soit là aussi un peu quand même. Elle est trop possessive. Pour garder Alex, ça t'arrange bien. Oh, Alex, pour faire la bouffe aussi. Bon. C'est pour lui faire plaisir, hein, si je peux m'arranger autrement, hein, tu le sais très bien. Alors, hein. Serge, t'exagères là. Avant votre arrivée, Isabelle nous disait que c'était 2, 3, 4. 5 appels par jour de votre maman. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Ah, c'est vrai, mais bon, oui, c'est, vrai. C'est elle qui m'appelle. C'est vrai, ah bah c'est oui, elle qui m'appelle, t'appelles pas toi. Ah bah on a alors jamais qu'est-ce dit que ça peut, toi qu'est-ce que ça peut te foutre. C'est elle qui t'appelle. Mais c'est pas normal, je veux dire, t'as pas 4 ans, t'as pas 12 ans, c'est pas normal que ta mère, elle t'appelle continuellement à tout bout de champ pour savoir si, ce que t'as mis comme chemise, pour savoir si, ta veste a été repassée. Bon, je veux allez, dire, c'est bon, on va peut-être pas parler de ça. Ok, là, je reconnais un petit peu. Mais enfin, elle te rend bien service aussi, ma mère. Mais elle me rend service de rien du tout. Moi, j'ai pas besoin d'elle pour me refaire ma déco, pour me ranger mes fringues. Enfin, quand elle est là, c'est un peu mieux rangé. Mais l'autre jour, je trouvais même plus mes fringues où elle les mettait. C'est pas normal. C'est pas très normal, ma chérie, aussi, quand même. Ça nous regarde. Et la cuisine, c'est pas vraiment ton truc. Chacun ses qualités. Alors, arrête. Oui, mais enfin... Ta mère, elle fait sa cuisine à arrête sa façon. Arrête de faire une fixette moi, sur jamais, ma mère. Mais c'est pas parce que tu bois fixette. Jamais la tienne que la mais mienne est complètement... Oh. Ça n'a rien à voir. Entre bah si, si, il est là le problème. Mais il est non, là le problème, t'es jalouse. Mais voilà. Jalouse de ta mère. Oui, jalouse. Jalouse, bah, certainement pas, non. Là, alors, ça s'appelle comment, alors comme ça. Ça s'appelle comment? Elle est trop envahissante, mais je vis avec ta mère dans ces cas-là. Isabelle. Serge, vous êtes venu pour régler un problème. Pour le régler, je ne vois pas d'autre solution. Moi, je ne suis pas venu pour régler le problème. Hein. Isabelle est venue pour régler son problème. Son problème, c'est qu'elle n'arrive plus à vivre. C'est qu'elle n'arrive plus à vivre dans ces conditions. Donc, elle vous pose une sorte d'ultimatum. Maintenant, c'est ta mère ou toi? Ah mais ça, c'est vous qui le et si on faisait venir la maman Louisa, et si on demandait à Louisa de venir? Faites venir Louisa. Louisa. Louisa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes magnifique. Merci. Vous avez 53 ans. Vous ne les faites pas du tout. Vous êtes d'origine argentine? Oui. Tango? Maradona. Vous êtes la maman de Serge, ça vous ne l'avez pas oublié. Ah non, bien sûr que non. Mais aussi... mais aussi la belle-maman d'Isabelle. Oui. Isabelle est ici ce soir parce qu'elle n'arrive pas à régler sa vie. Elle a beaucoup de mal à faire comprendre à Serge que Serge est un grand garçon maintenant. Et le sentiment que nous avons ce soir, c'est que vous n'y êtes pas pour rien du tout. On a le sentiment que la maman prend une place un petit peu trop importante dans ce couple. C'est vrai que vous avez les clés de la maison? Louisa, est-ce que c'est vrai que vous avez les clés de leur appartement? Oui, c'est vrai. Les clés de leur appartement. Mais pratique pour qui? Donc, pratique vous pour pouvez si, entrer Alex, dans cet appartement quand vous Alex, voulez. Elle s'impose, elle pas seulement pour Alex, faire moi, le ménage. J'ai les clés de l'appartement parce des que enfants. je garde son fils, ah, non, Alex. Elle le garde, elle s'approprie de le garder, ce qui est tout à fait différent. Moi, mon emploi du temps, j'ai fait en sorte de pouvoir aller chercher mon fils. Non, je vais chercher mon fils. Même à la maternelle. Ans, il est à la maternelle et elle n'a pas besoin d'être là. Je veux dire, j'ai pas besoin d'Isabelle. D'elle. J'ai pas besoin de vous. Vous mais vous quand savez, vous sortez les soirs, vous avez bien besoin que je sois là. J'aurais du mal à refuser, de toute façon, que ce soit le soir ou pas le soir, vous êtes toujours là. Donc, au moins, vous serviez à quelque chose quand on sort le soir, au moins. Isabelle, c'est pas parce que votre mère ne s'est pas occupée de vous. Ah, mais ça que je vais faire la même chose. Oh, là, le tempérament quoi. De feu. Non, Louisa, là, ça, Isabelle. Il y, si. Y a un monde. Mais Isabelle, y a un monde. Mais Isabelle, moi, Isabelle, on n'est pas à la il maison. Il y a 33 ans. Ah oui. Il oui, faut oui, se réveiller oui, là. Votre mère, Isabelle, 33 ça ans, de là, vous. Il faut le couper. Bon, là, pour moi, là, il est temps. Hein. Pour moi, parce Isabelle, là, c'est ça, c'est une famille. Droit à la dérive, là. Droit à la vous, dérive. Vous n'avez pas eu famille, Isabelle. Tous droit à la dérive avec vous. Serge, est-ce que tu m'as dit quelque chose? Regarde. Louisa. Écoutez-moi. Arrête ça, merde. Louisa. Ça votre fils, d'être aimé par ma mère, fils, c'est barjou ou quoi, ça? Serge. Oui. Louisa, Isabelle. Votre fils, maintenant, est marié. Est-ce que vous l'avez accepté? Il a 33 ans. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, de vous mêler un peu trop de leur couple? Parce que Isabelle dit, je n'arrive plus à vivre dans ces conditions. Vous pensez qu'elle dit n'importe quoi ou vous avez le sentiment qu'ils n'ont quand même pas tout à... ou qu'elle n'a pas tout à fait tort? Je ne suis pas dans son intimité. Oh bah, je ne suis pas dans son intimité. Je ne suis pas dans
une crise, ça doit être le seul endroit où elle vous est savez, pas là. Vous savez, il y a chose que c'est vrai. Non, mais bon, allons-y, puisqu'on est là, autant que ce soit clair, sans blague. Heureusement que t'es pas dans notre intimité. Heureusement, mais c'est vrai qu'elle a un peu raison. T'es quand même un peu toujours là, quand même. Ah, quand même. Tu sais, Serge, je ne suis pas un joker. Hein. C'est quand vous avez besoin, vous m'appelez. Qui te parle de joker? Je m'occupe mais de toi. Si, mais en Amérique du Sud, il s'occuper d'elle, quoi. On y a se des voit jokers. 4 fois par semaine. Moi aussi, j'ai des choses à faire. Je ne suis pas aussi disponible que tu voudrais. T'es tout le temps derrière moi, un peu, quand même. Alors, et pourquoi, Louisa? Oui, c'est non, ça. Il faut que tu sois avec nous, même en vacances. Merde. Qu'est-ce que tu veux? Que je sois à la retraite, hein? Tu veux m'envoyer une maison de retraite? C'est ça que tu veux? Qui t'a parlé de ça, maman? Qui t'a parlé de ça? Mais non, ça non, non, mais pas habiter chez nous, voilà. Je n'habite pas chez toi. Il y a un juste milieu entre Serge maison de retraite et habiter chez nous. Si, et t'as bien monté contre Serge, moi, Serge, non Serge, elle pas Serge, Serge, moi. Serge, Serge, Serge. Oui. On vous m'échettez comme un vieux un instant. Chaussette. Ouais, attendez, mais on attendez vous a jamais jeté, Serge, c'est Serge vous. Qui... Nuance un peu, quoi. Serge. Il y a un juste milieu entre maison de retraite et habiter chez nous et dans la même pièce. C'est une famille où on ne s'entend pas. Serge. Oui. On fait quoi maintenant, Isabelle? On fait quoi maintenant? Parce que vous êtes venu pour prendre une décision. C'est Isabelle qui a souhaité venir. Moi, je vais essayer venir un peu de calmer le débat. Oui. Je crois qu'on peut trouver un arrangement. Est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Bah, c'est déjà un bon départ. Ça n'a rien de... Il maintenant, je vais poser une dernière question à Louisa. Louisa, est-ce que, compte tenu de ce que vous venez d'entendre, qui n'est pas une découverte, est-ce que vous acceptez de lever le pied un petit peu? Alors, on fait quoi? Je vais essayer d'entendre. Ouais, c'est qu'il... Elle va essayer. Souhaitons-lui bonne chance. Car ça va savoir. Appel à témoins. D'abord, je voudrais dire bonsoir à tous les invités qui sont là et témoigner ma sympathie à cette dame. Parce que j'ai une sœur qui ressemble un peu beaucoup à la vôtre et c'est pas facile tous les jours, quoi. Voilà. Et ensuite, ma question sera pour la sœur, justement. C'est-à-dire la dame. Oui, c'est-à-dire la dame qui est trompée lâchement par son mari et par sa sœur. Voilà. Et ensuite, je voudrais poser ma question à la sœur, justement. J'aimerais savoir si vous avez déjà songé à avoir un psychiatre, parce que en fait, chercher toujours comme ça. C'est vrai, je dis pas ça pour me moquer de vous, mais chercher toujours comme ça à se revaloriser par rapport aux amis, aux petits amis, au mari de sa sœur, ça doit cacher quelque chose. Il faut consulter. Ok. Réponse. Rien à lui dire, de toute façon on choisit pas qui on aime, ça faut arrêter l'hypocrisie, tout le monde est hypocrite et puis voilà et puis c'est tout et les psychiatres c'est pour les malades mentaux, je suis pas une malade mentale, je vais bien dans ma tête et je crois que Jean-Paul peut le confirmer. Tu dis qu'elle cherche à se revaloriser. Elle cherche pas à se revaloriser. On vous a pas posé de question. Hein. C'est une rencontre, c'est tout. C'était à votre femme et à votre fiancé, pas à vous. Oui, mais okay. Excusez-moi. Justement, vous voulez parler, je vais vous accorder la parole. À qui? Bah justement, monsieur qui veut s'exprimer. Et ma question est de savoir pourquoi vous avez voulu venir ici pour dire ça devant tout le monde, devant des milliers de téléspectateurs. Est-ce que ça vous enlève un poids? Est-ce que vous trouvez plus naturel? Est-ce que vous arrivez mieux à dormir? Vous regardez dans le miroir, monsieur. D'abord, il ne le sait pas encore, parce qu'il ne le saura que ce soir s'il dort mieux. Hein. Alors. Mais en tout cas, vous avez répondu à votre question, en fait. Oui, ça. Je voulais trouver un moyen de me libérer. Donc okay. Voilà, c'est fait. Restez ici, restez. Allez-y. Oui, bonjour. C'est pas forcément si facile de... Bonjour, moi je vais aller à contresens. Moi j'aimerais quand même souligner la démarche courageuse de monsieur. C'est-à-dire qu'il peut venir ici et je sais pas, en étant simple. En étant simple. Merci. En étant simple.
Là, depuis tout à l'heure, elle fait la gueule. Si elle fait ça toute sa vie, depuis le mariage, si ça fait 4 ans qu'il voit cette tête-là, il pourra pas avoir le moral. Si ta femme, elle te trompe avec ton frère, tu vas pas rire. Et donc, je trouve que ce monsieur mérite mieux que madame. En plus, c'est le sosie de Mel Gibson, donc il vaut beaucoup plus. Bonjour à tous, je voulais juste te dire, mec, entre guillemets. Le même, c'est toujours le même. Je voudrais que tu regardes ta femme, tu lui dis « je ne t'aime plus ». Et je voudrais que tu regardes l'autre salope, tu lui dis « je t'aime ». Ouais. Je vais le faire. Avant, tu vas la regarder et tu vas lui dire l'autre salope dans les yeux. Non, mais pas à moi, à elle. À elle. Oui, moi, c'est aussi pour le monsieur, là. Non, mais je pense qu'en fait, il a été avec la sœur pour simplement s'assurer de rester dans l'entreprise. Parce que c'est comme ça. Comme ça, il enveloppe tout, il reste toujours dans l'entreprise. Mais moi, si j'étais ta femme, moi, je te casse, moi. Carrément, je te casse. Eh bien, y a-t-il des... Ok. J'ai le sentiment que seule une de ces histoires vous a plus intéressé, mais est-ce que l'histoire est plus quotidienne? Vous la vivez, vous, à la maison? Non, je ne vis pas cette histoire personnellement. Par contre, je voudrais dire un petit mot à Lisa. Louisa, pardon. Déjà, je pense que... Il ne faut pas que vous pensiez qu'on fait votre procès ici, parce que on n'est pas là pour juger votre attitude. Vous aimez votre fils, on l'a bien compris, et c'est très bien, c'est très louable. Mais je pense qu'effectivement, vous devez comprendre qu'un couple a besoin d'un équilibre, et si cet équilibre est mangé un peu trop par vous, il y a peut-être un problème. Maintenant, vous avez peut-être aussi un autre équilibre maintenant à trouver dans votre vie, autre que votre fils et exclusivement votre fils. Mais pour avoir vécu la situation, je vous garantis que la situation est loin d'être catastrophique, qu'il y a tout espoir, puisque je vois que vous êtes tous, prêts à changer, et donc tout ira bien. Voilà. Louisa, ce que nous n'avons peut-être pas dit, c'est que vous étiez une très jeune veuve. Et peut-être que cela aussi a pu peut-être influencer un comportement. Je m'adresse donc à Madame la belle-mère de Serge. Madame, regardez-vous, vous êtes belle, vous êtes encore jeune. Pourquoi n'allez-vous pas dans les clubs de danse et tout ça? Vous cherchez un beau mec, Dieu seul sait s'il y en a. Oui, à Louisa, oui, à la belle-mère, oui. Vous êtes belle comme un ange. Faites-vous un petit bébé avec les techniques modernes. Écoutez, avec les techniques modernes, vous pouvez faire un bon petit bébé comme ça. Vous lâchez un petit peu. Vulgairement parlant, la petite grappe à votre fils, je sais pas moi. Regardez comment vous êtes belle. Je sais pas moi, trouvez-vous quelqu'un, c'est mignon. C'est une bonne idée. Bravo. La petite marche, voilà, vous serez plus grande que moi. Allez. Moi, je voulais donner un grand bravo au fils de Louisa, qui a pris conscience que sa maman l'envahissait un petit peu et qu'il va sauver son couple. Et ça, je trouve ça très beau. Ouais. Et à sa maman, merci. Je trouve qu'elle a le plus beau métier du monde, c'est d'être mamie. Ouais. C'est le plus beau métier du monde. Il faut les laisser vivre et prendre de temps en temps son petit-fils et en profiter. Mais les laisser vivre. Il peut arriver qu'on se venge, la plupart du temps sans le savoir, d'une situation professionnelle dans la vie de tous les jours. Les frustrations du travail sont souvent payées par ceux qui nous entourent et qu'on aime. Jean-Paul est marié avec Maryse et la trompe avec sa sœur Céline. Jean-Paul n'a-t-il pas voulu, au fond, punir son beau-père, père de Maryse et de Céline, à méditer. Quant à Serge, incapable de choisir entre sa maman et sa femme, souhaitons-lui du courage pour assumer son rôle de mari et oublier son rôle de fils-père disparu. Enfin, tout ça, chacun le sait, mais ce n'est pas parce qu'on le sait que nous, on y arrive. Nous qui n'avons pas la chance d'être dans la lumière des projecteurs de Ça va se savoir.